Bonjour tout le monde, moi espère nous en forme. Jeudi, nous là encore pour une autre vidéo. Côté nous allons parler des occupations américaines. Moi je vais parler de causes qui ont fait américains ont été occupés Haïti en 1915. Nous allons voir ensemble qui j'ai occupation a commencé et qui j'ai occupation lui-même est à le point fin. Non pas monsieur Pierre Lucien, nos amis qui là pour aider gain plus connaissance dans sciences sociales et qui permettre au côté bon résultat. Si vous pouvez abonner à la chaîne, je vous conseille de faire ça kounya et puis activer la cloche de notification pour être capable au courant à chaque lettre que nous-mêmes nous gagnons pour nous publier une vidéo. Ciao! Je vous quitte le 28 juillet 1915. Les Américains ont été débarqués sur le territoire national. Là. Et ont été occupés le pays pendant 19 ans. Et qui ça qui était la cause de l'occupation? C'est pour nous songer que depuis 1804, Haïti fin prend indépendance. Le pays a été tombé dans sa rue, il était venu qu'on pile quoi une chaîne guerre civile qui a éclaté tout le temps. Nous avons vu le lendemain que l'empereur Jacques Ier fin mourir, Christophe avec Pétion pour faire une guerre civile, ça nous a entendu parler de la bataille du cyber, et après ça, sous Rivière Ira, sous pile l'autre président encore qui va le paraître après la bataille de cyber, là, nous allons toujours bon coup qu'une guerre civile. À l'exception de quelques présidents, nous avons dit pas de guerre civile sur Nexao, c'était l'Isis Salomon avec Nisaj Saji. Mais qui s'est pas arrivé plus mal toujours? Ça pas arrivé plus mal toujours, c'est que au lendemain de 1913-1914, les bagailles ont été pire. Parce que dans la période, ça, Haïti a connu 6 présidents pendant 4 ans. Et Nexao a obligé le président Sarah de Ville Guillaume Sam, ça qui va la cause débarquement sa fête le 28 juillet 1915. Les États-Unis d'Amérique pour mettre pied sous pour Haïti et qui est pour occuper Haïti pendant 19 ans. Qui cause qui t'a fait assassiner le président Ville Guillaume Sam? Cause principale qui t'a la cause du assassiner le président Ville Guillaume Sam. C'est parce que dans la nuit qui était 27 juillet 1915, le président Wilmer Guillaume Sam qui était sous l'ordre de Charles Oscar, qui était bras droit dans l'époque là, et qui lui-même était bras de Charles Oscar l'ordre pour Charles Oscar te fusillé 173 prisonniers politiques. Seulement 10 là de eux qui t'apprend arriver chapitre. Donc, pour cette raison, dans le demain qui t'apprend le 28 juillet 1915, le peuple a pris route palais national. Et vous pouvez déchouquer le président Wilmer Guillaume Sam et Charles Oscar qui a perdu la ville même jour ça. Après geste malhonnête ça que le président Wilmer Guillaume Sam a fait, eh bien, le peuple a arrêté de boire croisé et puis a gagné. Vous avez décidé de mettre grand monde dans la canson, puis vous avez marché sous chef d'État. Qui donc, qui ça qui est venu arriver? Eh bien, Wilmer Guillaume Sam lui-même qui a essayé d'échapper pour lui. Le peuple a été couru et trappé dans la légation française là, et c'est là que vous avez tout exécuté. Le Charles Oscar, ça lui-même, eh bien, lui-même tout, l'idéal essayer d'échapper pour lui tout. Qui donc, c'est comme ça, le peuple a tout, te mette main sur monsieur, à peine l'été arrivé dans la porte légation dominicaine, et c'est là que vous avez exécuté. C'est comme ça, les Américains ont même tout profité de cette occasion ça. Puis ils viennent prendre possession des pays et puis ils occupent Haïti pendant 19 ans. À peine les Américains ont fait une chita domination sur le pays, et bien rapide vite, ils ont rangé corps pour organiser l'élection au pays. C'est comme ça, ils ont proposé par les Haïtiens une convention. La convention, c'est elle-même qui devrait permettre de mettre le contrôle sur toute institution de l'État dans le pays. Tant pour la douane, finance avec la médaille. Par les Haïtiens même, jour qui était 12 août 1915, là, ils ont été élu sud d'Artignaf président pour une période de 7 ans. Après les Américains ont été envoyés une convention en bail par les Haïtiens, eh bien, qui s'en est fait? Ils ont été gardés les conventions et puis ils ont corrigé ça pour corriger la donne. Eh bien, comme le Parlement n'est pas d'accord avec la convention américaine qui a été proposée, ou à côté, n'est pas de contrôle sur toute institution de l'État dans le pays,
Bon, imaginez mes amis, qui gens comme si, pour nos pays, pour l'autre avenir, pour le dire, la prendre contrôle de toute institution. Bon, ça va normal. Et bien, ça qui devient passé. Les Sud-Atlantiques n'ont pas voué convention en tournée par les Américains et qu'ils disent que le Parlement n'est pas d'accord. Et bien, qui est Américain qui va proposer à Datignav? Il va dire à Datignav, mais qui est-ce pour faire mon cher? Ou mettre démissionner des bisséniques qui n'ont pas le mandat ça net et puis faire le peuple là voter convention. C'est comme ça. Le peuple là a voté convention. Et c'est comme ça. 67 000 personnes ont accepté pour Américain qui gagner. Contrôle territoire et contre 337 000 personnes qui tapent contre la convention qui est américaine qui a été proposée par le Parlement haïtien. Qui conséquence que la convention ça qui autorité américaine a été forcée, chef d'État haïtien aussi, hein? Qui conséquence ça lui-même n'est pas le gain? Eh bien, qui ça qui devine passer? Ça fait la douane, ça fait finance pays a devine tomber sous contrôle américain. Et la médaille qui est même pour être transformée en simple gendarmerie qui est même tout pour être sous contrôle américain. Il y a un bagage de souligner dans l'histoire, ça, c'est que la convention ça qui autorité haïtienne a été acceptée ici, c'est là pour une période de 10 ans. Mais je vous quitte le 28 mars 1918 là, mais je vais venir prolonger la convention pour une autre période de 10 ans encore. Ça va venir une durée de 20 ans. Effectivement, nous ne pouvons pas pour quelle raison nous avons été obligés à accepter si nous avons comme ça. Mais il ne faut pas révéler tout que peut-être c'est pression, puisque Haïti, imaginons Haïti devant les États-Unis d'Amérique, pas tellement qu'à faire en face devant une grande puissance comme ça. Peut-être que c'est qu'à pression tout que l'autorité américaine a été fait sur nous, puis a été signé une convention. Bon, nous ne pouvons pas, mais quand même, c'est comme ça que nous avons été. Qui j'ai une constitution pays à tailler sous occupation américaine? Eh bien, c'est une constitution qui est dictatoriale net. Parce que, n'est-ce que tu écrases le pouvoir législatif là, pour te remplacer par un conseil d'État qui est composé de 21 membres. Quand il y a là, toute décision que quelqu'un vous prend, c'est américain qui doit le prendre. Qui doit le faire ça ou en vie, ça qui est l'idée. En 1926, Conseil d'État a pris le mettre tête ensemble. Il a réuni pour être capable de battre le président Louis Bono au deuxième mandat. Ça veut dire qu'il a voulu prolonger le mandat, mais c'est pour qu'il soit capable de vivre le président une deuxième fois encore. Qui réaction le peuple face à cette décision ça? Eh bien, les nouvelles arrivent dans le peuple. La bête vite, le peuple prend la rue, il a les chalbards et les décisions que le Conseil d'État a voulu prendre, et il a commencé à faire des choucailles. En 1929, situation a pris la ville pire toujours. Tu viens de une manifestation au CAI et tu viens un groupe étudiant qui t'a manifesté. Pendant que tu manifesté comme ça, tu te viens de tomber bab pour bab avec une escouade soldats américains. Et soldats américains, ça y est, même sans hésiter, tu as les amis et tu as triblé le groupe étudiant ça y est avec bab. Ça t'a pris la cause d'un bilan de 25 morts et tu viens plusieurs autres monde qui te blessent. Sous plan politique, massacre ça qui dégaine au Kaila, t'as poussé président américain à l'époque ça qui t'a relé, Herbert Hoover, pour te voir en Haïti, yon commission yon t'a relé commission Ford. Commission ça t'a gagné comme devoir pour te enquêter sur façon qui n'a yon bougé dans le pays. Elle dit sur façon que américain yon t'a agi dans le pays. Les Ford privé États-Unis, eh bien, il dit que vous avez conseillé nous pour nous camper l'occupation. Parce que façon que Forbes lui-même, lui est américain, a bougé dans le pays, a pas bon du tout. Il y a des gens qui ont été maltraités par les haïtiens. Il y a des gens qui ont passé le peuple en papier. Eh bien, il y a des autorités américaines au conseil pour nous stopper l'occupation et pour les américains qui ont entré dans le pays. Puis ont quitté le territoire national là, blanche, sans un grain de soldat américain sur lui. Eh bien, qui ça qui devient arrivé? Américains ont pris une décision pour quitter le pays. Mais pour nous arriver à quitter le pays, ils ont pu passer par quatre étapes. Première étape là, nous avons pu élire un gouvernement provisoire.
Gouvernement provisoire ça lui-même a comme responsabilité pour être capable d'organiser l'élection pays. Et c'est Ejanoua lui-même qui devrait devenir président. Deuxième étape là, gouvernement provisoire a comme devoir pour être organiser l'élection législative pour être capable de réorganiser le Parlement. Troisième étape là, Parlement lui-même, une fois que l'été fini installé, t'es bien pour y réunir ensemble pour y être élu en président. C'est comme ça, ancien sénateur Stenio Vincent, t'as été élu président pour une période de 5 ans, jour qui était 18 novembre 1930. Dans même l'année 1930, là, tout bas américain qui était trouvé dans le département centre pays, t'as été quitté le département Sanet. Et en 1931, américain t'as été remettre l'État haïtien contrôle sur tout service public. C'est comme ça, Américains ont commencé à quitter le pays il y a des jours en jour, t'as vu un petit nombre américain dans le pays. En 1932, ils ont quitté le département Antibonite. En 1933, ils ont quitté le département Nord. Et en 1934, ils ont quitté toute partie du pays. Comme ça, t'es venu parler un grand américain dans le pays même. Et c'est dans la période ça que l'occupation américaine dans lui-même, ils ont pris le fin. C'est là nous mettons fin avec vidéo ça pour aujourd'hui. Si vous appréciez ce travail m'a fait et que vous t'aimez mais supportez channel là, m'a demandé pour vous abonner avec channel moyen, like vidéo et puis dites-moi ce qui si j'ai nous t'aimez même parler dans une prochaine vidéo.